Salut à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode un peu spécial et un peu particulier ce coup-ci puisque ça fait un moment que ça me tenait un peu à cœur de le faire et puis c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. C'est le fameux comparatif entre Forza 5 et Project Cars. Alors pourquoi ce comparatif? Tout simplement parce que c'est les deux meilleures simulations actuellement sur la Xbox One. Et puis c'était également pour savoir lequel était le meilleur niveau graphique. Alors c'est vrai que moi j'ai dit du bien de Forza, j'ai dit du bien de Project Cars, mais que c'était pas forcément peut-être ni l'un ni l'autre et atteindre peut-être les sommets. Et c'est vrai qu'une fusion des deux aurait été très bien. C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo, tout simplement parce qu'aussi ça fait que seulement qu'un an et demi qu'elles sont sorties ces consoles nouvelle génération, que ce soit la PS4 ou la Xbox One. Et que c'était un peu donc pour situer des futurs potentiels acheteurs aussi, qui voudraient un jeu de voiture, tout simplement une simulation, et savoir tout simplement qu'est-ce qu'ils devraient acheter, soit un Forza 5 qu'on touche à peu près à 15-20 euros, ou alors un projet de Cars à 56 euros, disons, sur Amazon. Donc c'est vraiment un choix à faire. Les deux jeux sont excellents, vous allez le voir, donc on va commencer immédiatement par le gameplay. Donc je l'ai répété, Project Cars qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué que Forza 5 et notamment à la manette. Je pense sincèrement que c'est un vrai casse-tête de conduire Project Cars à la manette. Ceux qui réussissent une fois qu'on a la prise en main, c'est vrai que c'est assez sympa. Nul doute là-dessus. Je pense qu'il faut se faire la main avec certaines voitures. On ne change pas de voiture comme ça, comme par exemple dans Forza. Donc là, il faut vraiment, par exemple, si on prend la Formule 1, il faut faire quelques tours de F1 pour vraiment se mettre dans le bain. Et puis après, essayer de claquer quelques chronos, parce qu'il est vrai que la Formule 1, Formule A dans Project Cars est relativement compliqué à conduire, tout simplement, puisqu'on a vraiment la réaccélération très poussive d'une Formule 1, c'est-à-dire que si vous envoyez trop de jus, c'est tête à queue, et c'est vrai qu'à la manette, tout ça, c'est très compliqué à gérer, et donc, pour la première fois, j'ai donc changé les réglages de la manette, alors c'est vrai que c'est une chose assez folle, mais dans un jeu de voiture, c'est la première fois que ça m'arrive, sinon je ne pouvais pas jouer. Donc, ce qui saute aux yeux, vous avez donc Forza 5 à gauche et donc Project Cars à droite. Sur la jouabilité, donc notamment sur par exemple la Formule 1. Dans Forza 5, je l'ai dit et répété plusieurs fois, la F1 c'est pas le point fort de Forza 5. C'est très mal géré, c'est pas du tout la conduite d'une F1. C'est lourd par moment, ça freine au dernier moment à d'autres. Donc rien, et la F1 dans Forza 5 n'est pas du tout au point. Par contre, dans Project Cars, il est vrai qu'il faut dire que la F1 atteint des sommets de simulation. On retrouve vraiment, j'ai essayé de comparer avec certains tours chrono, notamment quand il y avait encore le V8 atmosphérique, donc sur des tours chrono par exemple d'Hamilton en 2013, qui est un des tournées très fort, on s'en souvient, mais on retrouve quasiment les mêmes points de freinage et le même comportement de la voiture, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Donc niveau gameplay sur la F1, bien entendu, rien à voir avec Forza 5. Si vous achetez si vous voulez vraiment une simulation F1 au-delà de tout ce qui est épisode des derniers récents F1, même si vous le savez qu'il n'y en a encore pas sur la One et qui va sortir le 12 juillet, quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment la meilleure simulation F1 possible sur la Xbox One et je pense aussi sur la PS4, il n'y a pas photo là-dessus. Si vous êtes des férus d'F1, foncez sur Project Cars, vous ne serez pas déçus, mais il va vous falloir, bien entendu, pour profiter à 100% du jeu, je pense, un volant, c'est indéniable. La sensation sur ces nouvelles manettes, nouvelle génération, il n'y a rien à dire, elles sont vraiment exceptionnelles. Mais il est vrai qu'un volant est préférable, tout simplement, parce que quand vous reprenez sur Forza 5, vous utilisez toute la largeur du joystick pour tourner les roues. Alors que sur Project Cars, 1 mm suffit à braquer, donc je vous dis pas le casse-tête chinois. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Donc c'est vrai que niveau gameplay, par rapport à la F1, rien à dire là-dessus. Forza est vraiment largement en dessous que Project Cars. On sent vraiment que les gamers ont travaillé là-dessus, puisque vous savez bien entendu que Project Cars est développé donc par des gens comme vous et moi, et surtout des passionnés de sport auto, qui ont donc sorti ce jeu et qui ont développé donc pendant bien longtemps, depuis quelques années maintenant.
Donc voilà, pour en finir donc avec la Formule 1, il n'y a pas photo, vainqueur Project Cars est vraiment de très très loin, il n'y a rien à dire. Leur Forza 5, la F1 est juste un plus pour vous montrer à quel point la tenue d'une route d'une monoplace est phénoménale par rapport, je pense, au reste du plateau. Donc je pense que c'est juste à ça que ça sert, ni plus ni moins. Donc, changement de décor au Bathurst, donc Bathurst hein, qui partage avec Forza 5 hein, donc ce magnifique circuit dans la pampa australienne, absolument exceptionnel, hein, y a pas d'autre mot, un circuit vraiment très difficile hein, avec des grandes lignes droites et puis ça monte, ça descend, c'est très étroit. Franchement, quand on fait de la course là, c'est très intimidant. Donc là aussi, niveau gameplay, qu'est-ce qu'on a? Une Aston Martin GT3, donc DB9. Qui est présente dans Forza et qui est présente également dans Project Cars. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Exactement à peu près la même conduite. À quelque chose près, on est à peu près dans le même cas sur ce modèle de voiture. Donc toujours pareil, hein, Project Cars, donc vous ferez également pas mal de tours pour l'avoir en main, cette DB9. Alors que sur Forza 5, il n'y a aucun souci, vous prenez le jeu, vous le démarrez, vous prenez la voiture, le circuit, et puis, vamos, hein, y a aucun problème là-dessus. La conduite de la DB9 est beaucoup, beaucoup plus simple. Sachant, comme vous le savez, je n'ai jamais rien modifié depuis que j'ai Forza. Il y a toujours pareil, le contrôle de traction abaissé, pas à fond, mais abaissé quand même pas mal, parce que voilà, à la manette, c'est toujours très compliqué. Donc là, sur la DB9, non, aucun souci. Beaucoup, la prise en main est bien meilleure sur Forza. Point de freinage et tout ça bien respecté, donc je me suis plus éclaté sur Forza donc à ce niveau là que sur Project Cars. Et encore une fois, sur Project Cars, la direction de la DB9 très très sensible, donc peut-être même un réglage de la manette à refaire par rapport à la F1 hein, tout simplement sur la manette vis-à-vis de cette DB9 et dans le Bathurst où j'ai un peu plus bataillé que sur Forza 5. Donc globalement, vraiment une meilleure prise en main sur Forza, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est pour ça que ça va être très compliqué à ce niveau-là d'attirer des fans, ça c'est sûr, il y en aura, parce que c'est vrai que Project Cars là-dessus est une simulation de référence, mais pour ceux, comme je le dis souvent, qui veulent faire des courses et pas se prendre la tête, hélas, Forza est mieux placé à ce sujet, et je pense qu'en rentrant du boulot le soir, si vous voulez vous faire une course, pour quelqu'un de normal, il prendra plus de plaisir, je pense, à Forza, puisqu'en arrivant du boulot, il aura juste à démarrer la console et il aura la voiture en main. Chose que dans Project Cars, il aura beaucoup, beaucoup plus de mal. Et vous le voyez, la position de conduite aussi, qui quand on les met côte à côte, est phénoménale. Vous êtes beaucoup plus tassé dans la voiture, dans Project Cars, beaucoup plus bas, et que dans Forza 5. Parlons des graphismes. Donc un point fort, hein, c'était censé être un point fort de Project Cars, les graphismes, puisqu'on a eu des screenshots absolument à couper le souffle pendant des mois et des mois, où on faisait saluer. C'est vrai, ça se voit vraiment, toutes les ressources de la console, quasiment, les développeurs de Titan
pas mentir à ce sujet. Le jeu est vraiment exceptionnel finalement. Et une chose vraiment différente par rapport à Project Cars qui m'a semblé vraiment à certains moments très terne. Et notamment sur le Bad First, ou alors c'est vrai que Project Cars est beaucoup plus beau la nuit, à la tombée de la nuit, c'est indéniable. Mais bon, c'est pas tout le temps à la tombée de la nuit non plus. Donc il est vrai que à ce niveau-là, Forza est largement au-dessus du lot. Donc certes, dans Forza, les possibilités de conditions changeantes sont beaucoup moindres, hein. C'est évident. Mais sur Forza, vous êtes aperçu que sur chaque circuit, il y a une ambiance différente. Et sur le Bathurst, vous êtes à la tombée de la nuit. Là, vous êtes fin de journée, hein, sur la North Shelf. Silverstone, et vous l'avez vu tout à l'heure, est très couvert. Donc, et puis, Forza n'a jamais opté pour ce schéma-là, donc, c'est-à-dire de changer les conditions climatiques. Et il ne fait même jamais nuit dans Forza, donc c'est pas vraiment le but du jeu. Et je pense même que dans ce prochain épisode, donc, qui sera le numéro 6 de la saga, ça ne devrait pas changer non plus, car ce n'est pas dans les gènes du jeu. Et Project Cars donc a frappé fort à ce sujet-là, hein, puisque vous pouvez changer les conditions météo, choisir l'heure de la journée et accélérer le temps. Et c'est vrai qu'avoir une météo changeante sur 3 tours, c'est possible. Et c'est assez phénoménal, hein, je dois l'avouer. Donc là, pareil, hein, on va revenir un tout petit peu au gameplay sur la North Shelf. J'ai pris plus de plaisir à conduire donc la SR8 de Project Cars que la SR8 de Forza, où j'ai eu tout simplement plus de mal à conduire celle de Forza. Beaucoup plus joueuse, beaucoup plus qui se dérobe un peu plus facilement. Et bien entendu, donc celle de Project Cars, très jouissive. Donc il a fallu, bien entendu, comme d'habitude, monter les gommes en température et se retrouver donc avec une voiture qui tient parfaitement la route, très adaptée à la manette. Et donc j'ai pris relativement du plaisir. Et donc je le répète, hein, c'est manette nouvelle génération. Même je pense que c'est encore mieux sur la One, hein, c'est mon avis à moi, hein, il est personnel. La nouvelle vibration de la One quand vous passez sur les vibreurs est exceptionnelle. Vraiment, elle est. C'est phénoménal. On a beaucoup de plaisir là-dessus. Et donc sur la PS4, c'est quand même c'est pas mal du tout, mais c'est un degré moindre. Donc avec vous le voyez, hein, la North Shelf qui évolue au fil des virages, hein, donc magnifique circuit, sans doute l'un de mes préférés du jeu vidéo, des jeux vidéo en général d'ailleurs. Et voilà, un Forza, hein, beaucoup plus beau, beaucoup plus réaliste, hein, et c'est incroyable. Alors, c'est un test fait bien entendu sur la One, hein, ça serait curieux de faire d'ailleurs ce test et on verra si c'est vrai qu'avec Angel, je vais monter un petit PC là, incessamment sous peu. Puis Angel, lui, va changer aussi tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien pour pouvoir faire tourner Forza Project Cars à fond. Et on aura donc à ce moment-là peut-être un avis de comparaison. Ça sera possible, hein, de faire un comparatif entre Forza qui tourne merveilleusement bien sur la Xbox One, hein, qui est sans doute le jeu le plus beau pour l'instant de la One, hein, parce que GTA est sans doute très beau, mais après Forza utilise vraiment les capacités, ça se ressent. Donc ça sera un comparatif à faire sur un PC vraiment qui tourne à fond, puisque je reçois souvent sur la page Facebook de Project Cars les photos, je ne sais pas si vous les avez vues, où il y a marqué réalité ou réalité virtuelle. Donc c'est vrai qu'on se pose la question des fois. Donc on va voir un peu ce que vaut l'IA aussi, donc c'est quelque chose de très important, surtout quand on utilise un peu le mode solo, hein, comme moi, hein, je suis quand même un utilisateur du mode solo, hein, ça m'arrive, j'aime bien jouer en ligne, mais j'aime bien jouer en solo. Donc l'IA, alors dans Project Cars, l'IA vous avez la possibilité donc de la gérer en pourcentage, hein. Et dans Forza 5, vous avez des degrés, hein, donc pro, expert, imbattable, les degrés qu'on connaît. Donc dans Project Cars, donc il est vrai, donc là l'IA donc qui est à 60, et donc j'ai essayé à plus, hein, où c'est très très compliqué bien entendu, et où elle est bien meilleure, ça ne fait pas, c'est vrai que ça, y a pas photo. Donc là elle est à 60, donc elle est un peu bête, c'est pas une IA vraiment rêvée, elle pile un peu fort en virage pardon, elle pile un peu fort en virage, elle est un peu stupide, elle se sort souvent, et donc à 60,
on retrouve, vous allez voir, exactement la même IA que Forza 5 en imbattable. Hein. Donc, comme vous allez le voir tout à l'heure, par contre, dans Forza 5, j'ai toujours été en imbattable, hein, que ce soit en F1 ou quoi, parce que c'est vrai que au plus vous prenez des voitures qui tiennent la route, au plus vous allez vous apercevoir dans Forza qu'il faut monter la difficulté, sinon ça sera vraiment beaucoup trop simple. C'est limite trop simple même sur des courses comme l'IndyCar ou la F1. Donc c'est vrai que le niveau de difficulté imbattable dans le mode endurance est assez sympa dans Forza, puisque vous aurez vraiment une IA assez coriace. Et du coup, donc cette IA assez coriace est très bête aussi, qui freine relativement tôt. Vous allez vous en apercevoir quand Forza va arriver. Donc là, on est sur Project Cars. Vous le voyez bien entendu tout autour, hein, avec, je ne me souviens plus du nom, l'ATM il me semble. Donc qui est vraiment différente. Et sur Project Cars, donc avec une IA donc vraiment excellente à partir de 80%, donc très difficile mais excellente, je vous le dis. Et sur Forza 5, donc même à fond, on retrouve une IA vraiment très bête avec ce mode de drive avatar. On a vos concurrents vont souvent se sortir souvent. Et puis, chose que j'ai reproché depuis souvent à Forza aussi, c'est cette IA qui semble d'un coup inatteignable, vraiment très 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 forte. Et puis, d'un coup, plus rien, vraiment le grand coup de mou. Comme si le mec était à l'arrêt. Alors certes, on sait ce que c'est en sport automobile, c'est une bonne chose, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le problème, en sport automobile, ça arrive que ça relâche de temps en temps. Mais là, le problème, c'est que c'est trop fort, c'est trop accentué. L'IA dans Forza 5 relâche énormément. D'un coup, vous allez la rattraper sur deux tours, et puis d'un coup, il va remettre un coup de bourre, et puis là, c'est fini, vous ne le reverrez plus. Donc c'est assez hallucinant. Donc là, vous avez vu, je me suis un peu planté. Et donc, vous allez voir donc la différence entre les deux. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, rien niveau graphisme. Regardez comme c'est terne à droite, hein, où c'est sur Project Cars. Et regardez comme c'est beau à gauche, sur Forza 5, l'intérieur de la Audi qui est magnifique. Et ils en sont même allés à oublier donc ce petit écran en haut, ce qui est très important dans les voitures de l'endurance, puisqu'ils n'ont aucune visibilité. La caméra de recul est absente dans Project Cars. Et je me demande si aussi, faut que je fasse des vérifs là-dessus, si le volant de Project Cars, je crois que c'est pas le bon non plus. C'est celui de Forza le bon, avec cet affichage-là. Mais ça, c'est une chose à vérifier, hein. je vais pas mettre ma main à couper. Donc vous le voyez, même à 60%, l'IA qui est bien meilleure dans Project Cars, assez agressive, assez tenace, même si vous voyez, coup de frein intempestif aussi, attire l'arigot. Mais dans Forza 5, voilà, faut mettre la difficulté à fond et elle sera pas exceptionnelle. Donc l'IA qui est le gros point faible de Forza 5 à rectifier donc sur Forza 6. Autre chose aussi, hein, je vais parler en dehors de l'IA, pardon. Donc là ouais, j'ai dû rembobiner parce que je me suis complètement planté. Et du coup, donc ouais, l'IA dans Forza 5 donc, qui est très passable. J'en étais déjà. Ah oui, je voulais revenir à autre chose. C'est la licence, hein, depuis que j'en parle aussi dans Project Cars, cette fameuse licence, hein, qui est terrible, hein, pour le jeu, parce que, voilà, je vous le dis, hein, vous le savez déjà, dans Project Cars, il n'y a hélas que la R18 TDI de chez Audi qui est la licence officielle pour tout ce qui est proto LMP1 du Mans. Alors c'est terrible quand on connaît le plateau actuel et toutes les voitures qui s'affronteront la semaine prochaine au Mans. Et là, cette vidéo qui sortira donc ce mercredi, et puis le Mans qui est ce week-end, donc ce week-end, parce que c'est vrai que je tourne les vidéos en décalé. Et donc le plateau du Mans qui est assez intéressant cette année, avec Audi, avec Toyota, avec Nissan et Porsche. Et puis donc là, c'est vrai qu'un jeu qui sort en 2015 et qui ne propose qu'une Audi R18 et puis deux voitures fictives, donc ça me fait un peu de peine. Alors certes, dans Forza, on a des vieilles licences, puisqu'on a juste la R18 qui est en licence, on va dire officielle actuelle, puisque Peugeot s'est retiré avec sa 108, et puis qu'on a des voitures donc, comme celle que je suis, qui est une vieille Audi, qui a remporté le Mans, il me semble, en 2006. On a la magnifique Toyota aussi, on a cette Ferrari, on a la 787B avec la Mazda, qui faisait un bruit exceptionnel avec le moteur actif. Donc, tout
ça pour dire que quand même Forza est beaucoup plus fourni en endurance, même si c'est des vieilles licences. Alors certains dans le projet Cars qui l'achèteront auront un corps promotionnel en principe et pourront piloter la Mercedes Sauber qui a gagné le Mans. Déjà des vieilles licences, c'est un 99. Ça aussi, je suis pas sûr. Et ce qui est la seule vieille licence qui est un peu équipée l'année prochaine. Donc c'est une voiture officielle, une idée. Voilà, ça fait pas beaucoup non plus. C'est comme ça. Donc on va passer à la carrière et au multi pour voir un peu la différence entre les deux jeux. La carrière de Forza 5 donc qui n'est pas exceptionnelle non plus, vous allez vite vous lasser, mais qui est à rallonge, vous allez pouvoir passer une vie là-dessus, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. Donc vous le voyez hein, avec différentes catégories hein, comme par exemple celle d'époque avec donc les voitures d'époque. Avec des grands touristes de légende, les Américains de muscle, et puis juste ça, la section en course donc, qui classera donc toute la catégorie bien comme il faut, hein, comme un côté vraie simulation, sans le côté simulation puisque ça manque cruellement de, c'est pas un championnat, c'est bâclé. Franchement c'est bâclé, c'est des petites courses alors qu'en endurance on est censé faire des grandes courses, là ça sera des courses de 3 tours donc c'est un peu bâclé. Quant au multijoueur, il est tout simplement comme Forza, hein, vous ne pourrez pas choisir grand-chose. C'est comme ça, c'est pareil que le mode carrière ou le mode auquel vous jouez personnellement en jeu libre. Voilà, c'est des classes, et ces classes elles sont très mal gérées, je le répète encore, puisque dans ces classes, certes, par exemple, si on veut faire que des courses de voitures exotiques, par exemple, vous ne pourrez pas, parce que vous choisirez la classe S, et dans la classe S, il y a des vieilles F1, il y a un peu de tout. Donc c'est un peu n'importe quoi à ce niveau-là, et c'est vraiment bien dommage parce que Forza 5 pourrait être parfait si ces genres de petits problèmes étaient réglés. On ne peut pas, par exemple, dans Forza 5, choisir de faire une course de F1, c'est impossible. Si vous faites une course de F1, je le répète, vous serez avec les Indy là et les Indy Cars puisque vous êtes en Classics comme elles. Donc impossible de faire une course 100% F1 par vous. Donc c'est assez compliqué et c'est bien dommage. Passons à Project Cars. Donc là vous allez voir, c'est beaucoup plus fourni, beaucoup plus complet. Rien à dire là-dessus. Donc voilà le tableau de bord de votre carrière déjà qui n'existe pas dans Forza 5. Avec ce tableau de bord, donc vous avez accès à un réseau social, donc hein, les réseaux sociaux qui vous suivent de partout. Avec des gens qui vous marqueront des messages gentils ou méchants, enfin bref. Et donc la boîte de réception à vos messages, hein, vraiment une carrière donc, où vous choisirez de signer différents contrats, soit un contrat de renouvellement, hein, puisque vous serez champion titre, soit tout simplement un contrat pour accéder à une écurie. Vous aurez toutes les classes de véhicules de suite, hein, vous y accéderez. Si vous avez envie de commencer par la Formule 1, c'est possible. Commencer par l'endurance, c'est possible. Ou bien commencer par une catégorie de base, c'est possible aussi. Donc vous pouvez accéder à tout. Vous voyez, les niveaux des réglages aussi est hallucinant. Hein. C'est rien à voir avec Forza, c'est beaucoup beaucoup plus poussé, beaucoup plus compliqué.
Donc là, il faudra un peu aller sur le reste département, fouiller là-dessus pour faire les réglages. Le calendrier, donc, à choisir toutes vos épreuves. Et donc, ça sera à vous de les choisir, hein, on ne les choisira pas pour vous. Donc, c'est pas mal du tout, cette carrière de projet de cars, ce que certains disent assez bof, moi, je la trouve pas mal. Elle est beaucoup moins lassante, en tout cas, que celle de Forza 5, puisque même vous aurez des épreuves supplémentaires pendant votre championnat. Donc, c'est assez sympa. Le mode en ligne, qui est lui aussi hallucinant, hein, qui est peut-être le gros point fort de Project Cars, puisque tout simplement, dans ce mode en ligne, vous pouvez tout faire. Donc là, on va rechercher par exemple une course. Voilà, vous choisissez votre classe, vous choisissez ce que vous voulez faire, vous choisissez la durée de l'événement, le type d'endroit, si vous voulez un circuit, un ovale. C'est phénoménal, vous pouvez absolument tout faire. Choisissez si vous voulez faire du NASCAR, si vous voulez faire de la F1, de l'endurance, il y en a vraiment pour tous les goûts et vous aurez vraiment des catégories prédéfinies. Comme nous, on veut nous passionner de course et c'est pour ça qu'on sent que c'est des fans qui ont fait ce jeu à ce niveau-là. Donc voilà, vous accédez à une session, comme d'hab, hein, comme même les jeux de l'FPS, vous pouvez choisir votre veto, etc., etc. Donc là, celui qui a créé la partie, vous le voyez, dégagé sur le circuit, vous aurez une LMP2, donc vous pourrez la changer également. Il y a choisi 10 tours, il n'y a pas d'essai, donc rien. Et donc vous allez voir que si vous voulez créer votre propre partie en ligne, vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez même créer les 24 heures du Mans, hein, c'est possible. Puisque dans Project Cars, vous pouvez changer de pilote en cours de compétition et alterner. Il suffira d'entrer au stand et choisir. Donc voilà, par exemple, si vous prenez Silverstone, vous pouvez faire les 12 heures de Silverstone, il n'y a aucun souci parce que vous pouvez faire énormément de tours, jusqu'à, je crois, 250 tours et quelques, tout choisir, les dégâts, la longueur du week-end, s'il y aura les essais, pas d'essais, les qualifications, absolument incroyable. Et puis vous rencontrerez des gens en ligne aussi passionnés qui viendront faire des compétitions hallucinantes avec vous. Donc c'est le gros point fort de Project Cars, vous l'aurez compris, et c'est donc pour ça, je pense, donc pour rendre un verdict donc entre les deux jeux, hein, vraiment sur la finalité, et je pense pour avoir vraiment commencé à jouer beaucoup d'heures sur les deux jeux, donc il est temps de rendre ce verdict. Donc quoi choisir, vous qui serez donc potentiellement acheteur d'une Xbox One ou si vous l'avez déjà. Donc quoi choisir? Donc on va prendre Forza d'un côté, on va peser les pour et les contre. Donc Forza, eh bien c'est le jeu, la prise en main la plus rapide qu'il puisse y avoir. Vous allez kiffer de suite, rapidement. Pas beaucoup de circuits, pas beaucoup de possibilités, donc je vous disais, de créer des compétitions à proprement parler. Mais pour ceux qui se moquent de tout ça finalement, eh bien c'est le jeu de course parfait sur console. Peut-être celui qui se fait de mieux encore actuellement, même s'il a été décevant sur Xbox One. C'est vrai que c'est un jeu exceptionnel de voiture, les graphismes sont magnifiques, la prise en main est parfaite. On a un choix de voiture absolument phénoménal. Pour ceux qui ont un peu le portefeuille un peu lourd, vous aurez toujours des DLC pour acheter des nouvelles voitures, il en sort tout le temps. Donc, et puis un sixième épisode qui sortira en fin d'année. Et un jeu quand même entre 15 et 20 euros, donc c'est peut-être la bonne solution. Et puis en face, un autre poids lourd qui vient de débarquer, donc Project Cars. Et là, du coup, c'est vrai qu'on s'oriente plus du côté des fans absolus comme Angel et moi et vous qui nous suivez. Ça sera peut-être vers Project Cars que nous, on s'orientera le plus parce qu'il n'y a aucun souci là-dessus. On choisit nos courses, on choisit ce qu'on veut faire. Il y a 50 possibilités de créer des parties, la météo qui change, les règles et tout ça, c'est absolument phénoménal. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors certes, le contenu est encore très mince par rapport à ce qu'on a vu. Pas niveau circuit, parce que niveau circuit, c'est phénoménal, il y a beaucoup de choix. Mais c'est vrai que niveau voiture, eh bien, c'est un peu désespérant, il manque encore beaucoup de voitures. Mais je me fais pas de soucis à l'avenir, ça va, je pense que ça va changer. Et le dernier point négatif vraiment de Project Cars, c'est son gameplay. Puisque vous le savez, je l'ai répété, la manette, c'est très 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 compliqué. Et qu'il va falloir vous armer de patience, et je pense que l'achat d'un volant est primordial. Vous en avez un premier prix à 100 euros sur la Xbox One, qui est très bien noté, c'est le Turfmaster Ferrari F430, ou 458 Italia, qui est à 100 euros chez Micromania, et il a les palettes au volant, et vous permettra sans doute de jouer à Project Cars, et de prendre beaucoup de plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes un peu plus situé sur les deux jeux, pour savoir où vous en êtes, si vous avez un prochain achat à faire. Donc voilà,
le choix drastique. Je ne donnerai pas de verdict si l'un est ou est meilleur que l'autre. Tout simplement, c'est vraiment une question de choix personnel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite parce que le VEC va continuer donc son projet de Cars. Et ça sera donc pour dimanche, en même temps que les fameux 24 heures du Mans. Et pour lancer un petit pronostic, je dirais que je vois encore bien Audi gagner. Allez, salut à tous.